Suisse, Suisse. Didier Mansouki, Mobala Mandé Fwa Pembe. La différence dans la différence. Des fois, tu es démoralisé. Des fois, tu es dans la tristesse. Des fois, tu as envie d'abandonner. Mais le Seigneur est toujours là pour te fortifier, pour t'encourager. Tu comprends? Et il te fait toujours grâce de t'en sortir dans la fosse au lion, de t'en sortir, de te sortir dans ton combat. De te sortir dans ton désespoir. Donc le Seigneur est toujours là et il sera toujours là pour toi. Alors prends courage, sois encore plus dans la profondeur avec Christ. Sois encore plus dans la profondeur avec Christ. Et le Seigneur te fera encore plus grâce. Il te fait déjà grâce, détrompe-toi. Nzamba sala ko déjà ngolu grâce mbizi. Tant que zan la bon moi, a sala ko déjà ngolu. Tant que zo vivre, nzamba sala ko déjà ngolu. Moto moko te na se atango o ya koyo koloba, eh yo, tala koutou. Moko te na se atango a koyo ko juge yo. Batou nyo sou bazo juge yo parce que bazan a ignorance. Mais nzambe a bate la yo, nzamba fortifié yo. Nzambe grâce mbizi. Nzambe a fortifié yo. Nzambe a batela yo. A sunga yo. A pesa yo makasi. O tombe na désespoir te. N'abandonne pas ton combat. Sois toujours forte. Moi, Karine, je te soutiens. Pas physiquement, mais je te soutiens spirituellement. Parce que je sais que Oya Kikoloba et Loko Mususu. Mais bano bato bazana katia spiritualité bato bazana miswa molimo tozo monake tu as un combat depuis très longtemps auquel tu te bats et tu es dans la détresse, tu cherches justement un issue. Mais laisse-moi te dire, ton issue ce n'est que Christ. Eh, porte na yo ya sorti ezaka ka Yesu. T'en fais pas. Je sais que tu es en Christ, mais tu ne l'es pas comme il faut. Rentre encore en profondeur. Crois encore en ce Dieu-là qui te donne chaque jour le souffle de vie. Malgré parfois tu peux rechuter, mais quand il te donne encore, il te fait encore revivre. Quand il te sort encore de la fosse au lion, quand il te prend encore, hein, dans un trou noir, il arrive encore à t'en sortir du trou, là où tu étais désespéré, là où tu étais abandonné, seul contre tous, dans ton propre combat, là où tu étais désespéré, là où tu avais tout lâché, là où tu t'es dit c'est fini pour moi, là où tu t'es dit Seigneur où es-tu, là où tu t'es reproché de tes péchés, là où tu t'es recondamné, tu vois le Saint-Esprit, mais quelque part, tu as quand même demandé sa grâce. Et Dieu Tout-Puissant, pendant 3 mois, grâce, tu étais dans ton propre, dans ta propre souffrance, dans ton propre malheur. Mais le Seigneur, il t'a fait comme Jonas. Il est encore revenu. Il t'a encore pris la main. Il t'a encore sorti. Hein? Il t'a encore sorti, si je peux me permettre de dire. Hein, dans le couloir de la mort. Il t'a encore sorti grâce mise. Alors fais confiance en ce Dieu-là. Fais-lui confiance. Il est encore capable de te ôter encore de la mort. Il est encore capable de te donner la vie. Il est capable de te guérir de ton combat, de ta maladie. Moi, je sais que tu combats depuis des années et des années. Tu fais un combat contre une maladie. Je le sais, même si tu oses pas le dire. Je le sais, je le vois. Mais sache que, moi, Karine, je te condamne pas. Même si tu fais tes délires sur les réseaux sociaux, je sais que c'est une façon pour toi
de t'échapper un peu à ta difficulté, à ta souffrance, tu vois. Mais crois-moi, ma sœur, grâce Mbizi, crois-moi, le Seigneur connaît et il plaide, Jésus-Christ plaide ta cause tous les jours auprès de Dieu Tout-Puissant. Eh oui, parce que Jésus, il est à côté, à la droite du Père, à côté de notre Dieu, juste là pour plaider notre cause. Amen. Il est là, juste là pour plaider notre cause. Alors, tous les jours, Jésus-Christ, à la droite du Père, tous les jours, il est là, il plaide ta cause à notre Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, fais faveur à grâce mise. Mon Dieu Tout-Puissant, fais faveur à grâce mise. Donne-lui la paix. Regarde dans quel combat elle est. Donne-lui la paix. Sors-lui de la fosse au lion. Ôte-la dans le couloir de la mort. Et c'est ce que le Dieu Tout-Puissant y fait. Tous les jours par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ngai grâce mise n'est qu'au seul appel n'ayo. Bima na ba délire à Bouzoba. Comment pena mon ensemble à solo? Changer identité. Oui, prends courage. Changer identité. Pelo qu'on a koyeb sa grâce mbizi à souka. Kende ba longlo, ba ma fouta ba tiana ma belle na yo. Kende ba longlo bilo kwa nanyo seze a ma be kati nanzoto na yo. Oko sa la souche sengwa yanzambe ma kasi. Mi koti sa na bonzambe à solo sincèrement. Longo na ba masuma mike mike. Lokola na no balite mama kanga makolo na yo. Nzamba ko salongulu. Et encore l'espoir dans le mariage. Et encore l'espoir dans le mariage. Yaya nga na mona aveugle la bala. Ana mobali na ye. Na mona mutakata na maboko azaka na mobali. Mo la ti alliance ezate. Loboko wana yaya. Balata alliance wana ya gauche wana. E katana. Mais babala mutona coutumièrement. Dieu est capable de ramasser même une prostituée à commissaire servante de Dieu. Servante de Dieu, zakakate, faut zala na Bible wana, ou ben d'accord prêcher parole partout. Une servante de Dieu, même tout autour de toi, de ta famille, de tes amis, okumi témoignage, okumi ko benda ba am pembe dans Zambé. Nzamba pambola yo, kasimbize. Tu as encore le droit à la vie, et le Seigneur chaque jour il te fait grâce. Alors réponds-toi, reviens en Christ réellement. Je dis bien réellement, pas seulement quand tu es dans la détresse, mais reviens en Christ quand aussi tu es dans la joie, quand aussi tu es épanoui, quand aussi tu as l'argent, quand aussi tu vas dans des magasins pour acheter des vêtements, sois aussi un enfant de Dieu. D'accord? Quand aussi un homme te drague pour aller dans l'impudicité, te propose pour aller dans l'impudicité, là aussi, montre que tu es un enfant de Dieu et refuse toutes ces choses-là. Et je t'assure, tu verras ce que Dieu fera en ta faveur. Et ce Dieu-là te défendra. Et ce Dieu-là, comment je peux dire, montrera à tes adversaires que tu es son enfant. Alors, God bless you. Que Dieu te bénisse. La différence dans la différence. Votre meilleure jeune de formation.